RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. RMC, c'est le week-end des experts. Mille excuses, Jean-Luc, hein, c'est vrai que je vous taquine. Mais bon, c'est vraiment de bonne guerre. J'imagine que vous allez manger un petit peu d'agneau quand même à midi, non? Oui, oui, Pascal. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, on a un copain qui s'appelle Pascal, on le déguise en agneau. Ouais, et puis vous le mettez au barbecue. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore au courant. Ouais, mettre au four. Et oui. Alors, on attaque notre deuxième partie dédiée à l'automobile. Vous le savez, l'auto, c'est chaque dimanche, 8h-10h sur RMC. Et pour ce deuxième acte, on va se concentrer sur les mandataires qui ont complètement bouleversé le marché de l'automobile ces dernières années. Ça a commencé sur le web. Il y a eu aussi quelques dérapages. Hein, on s'en souvient, Jean-Luc, hein, au tout début de ce rendez-vous auto, il y a eu quelques... Ben, vous savez, comme dans toutes les professions, au début, quand on se rend compte qu'il y a de l'argent à faire, il y a quelques personnes mal intentionnées, oui, on va dire ça comme ça, des escrocs. Quelques chiens galeux. Ouais, des escrocs qui essaient de profiter de l'aubaine, donc qui s'engagent dans la brèche. Et puis, bon, il y a des automobilistes qui ont été victimes. Mais maintenant, le marché est bien structuré. Oui, ça a été quand même pas mal épuré. Mais c'est vrai que les mandataires ont plutôt le vent en poupe. Le marché automobile redécolle en Europe. Et ceux qui profitent le mieux, justement, de cette augmentation des ventes, ce sont les mandataires. Je vais y arriver. Les mandataires. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mandataire? C'est la première question. Et cette première question, eh bien, on va la poser à Jonathan premier Luc, invité, qui est Jonathan Luc, exactement. Bonjour, Jonathan, fondateur du site mandataire-auto.com. Jonathan, un mandataire, c'est quoi? Alors un mandataire, c'est un vendeur automobile, un peu comme un concessionnaire, simplement qui propose des véhicules qui proviennent d'Europe, soit de concessionnaires, soit de distributeurs automobiles. Et il y en a aussi beaucoup qui proposent des véhicules de déstockage de concessionnaires français. D'accord. Donc c'est plus forcément le terme mandataire aujourd'hui est un petit peu galvaudé parce qu'il y a des gens qui n'ont plus la profession de mandataire, qui sont des courtiers et qu'on appelle quand même mandataire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et comment se découpe le marché aujourd'hui? Combien de voitures viennent, par exemple, de l'Union européenne? Combien viennent de la France? On a une idée ou pas? Ouais, c'est vraiment difficile à quantifier. Hein. D'accord. Il y a des mandataires qui se fournissent exclusivement en France, d'autres d'Europe, et d'autres qui font un peu un mix des deux. Mais comment arrive-t-il à avoir justement ces voitures venant d'autres concessionnaires? C'est que ces concessionnaires-là n'arrivent pas à les vendre et donc les bradent, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est-à-dire que généralement, ils achètent des véhicules en lot ou c'est des véhicules de déstockage. Oui. Dites-moi, Jonathan, tout à l'heure, on évoquait les mandataires un petit peu véreux qui étaient apparus il y a une dizaine d'années sur le marché. Aujourd'hui, on en est où à ce niveau-là? Il y a eu des escroqueries, c'était des escroqueries à la TVA, c'est ça? Oui. Bon, alors ça, c'est surtout sur les véhicules d'import d'occasion qui proviennent d'Allemagne. Dont la facturation ne passe pas directement de France, d'Allemagne en France, mais transite soit par l'Espagne, soit par la Slovénie ou encore la Roumanie. Et donc ça leur permet de transformer le prix hors taxe d'Allemagne en passant par exemple par l'Espagne, qui devient après TTC. Donc c'est tout simplement une fausse facture et qui permet après d'économiser à peu près 20% sur le prix du véhicule. D'accord. Comment ça se passe d'ailleurs? Si vous êtes victime de ce genre d'arnaque, les douanes peuvent vous demander de payer la TVA? C'est comme ça que ça se passe? C'est à peu près ça. C'est-à-dire que lors de l'établissement du quitus, généralement c'est le mandataire qui le fait. Il y a certains centres des impôts qui ne sont pas très bien formés par rapport à ça et qui valident quand même le quitus. Mais ce qu'il y a, c'est que pendant les 3 ans, les services fiscaux peuvent revenir soit chez le mandataire, soit chez le particulier pour réclamer la TVA. Jonathan, on explique juste rapidement ce que c'est le titus. Le quitus, parce qu'on n'est pas tous forcément... Titus, je sais ce que c'est. Ouais. Vous avez tous contaminé, Jean-Luc. Et Titus, vous regardiez quand vous étiez petit, il y avait un dessin animé. Non, c'était pas Titus et Gros Minet. En fait, le quitus, c'est un document qui doit être validé au centre des impôts qui indique que la TVA est bien acquittée sur le véhicule. D'accord. On va quand même préciser, Jonathan, que si on achète un véhicule neuf, il ne peut pas y avoir de fraude à la TVA. Alors, pas dans
pas dans ce système-là, mais on a l'exemple sur mandataireauto.com de clients qui ont acheté des véhicules neufs à des mandataires où la TVA n'a pas été payée. Allons bon. Ouais. Comment alors, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si réellement la TVA a été acquittée par le mandataire? Quand on est client, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture d'occasion à un mandataire, il faudrait lui demander une copie du quitus et de regarder la provenance du véhicule et essentiellement aussi le prix. Bon, après c'est un peu compliqué pour le mandataire de laisser le prix d'achat affiché, mais à partir de là, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord, très bien. Alors, Jonathan, Jean-Luc, on revient dans un instant, on va poursuivre sur les mandataires. On va voir quelles économies on peut faire en passant par un mandataire. Bien sûr, C'est vraiment... on a avec nous un journaliste d'Auto Plus, Pierre Audemars, qui nous dira dans les filières pour aujourd'hui faire de bonnes affaires dans le milieu de l'automobile, est-ce que les mandataires... C'est la meilleure filière. On aura aussi quelques exemples de prix avec Jonathan. Et puis ensuite, on interrogera des mandataires pour leur demander comment ils font pour arriver à proposer des tarifs comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réagir et poser vos questions concernant les mandataires, on aimerait bien aussi avoir vos témoignages. Vous avez acheté un véhicule par le biais d'un mandataire. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, dites-nous, 3216 auto@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler dans la foulée. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h18, c'est RMC, le week-end des experts, l'automobile. Jean-Luc Moreau à mes côtés. Notez que dans une dizaine de minutes, on retrouvera la météo et les infos. Et à partir de 10h, ce sera les GG du sport, bien sûr, comme chaque samedi et dimanche. Jean-Luc, on parle des mandataires ce matin. Exactement. Est-ce que le mandataire, c'est la meilleure filière pour faire une bonne affaire lorsqu'on veut acheter un véhicule? Eh bien, on va poser la question à Pierre Audemars, qui est journaliste, entre autres, pour Autoplus et qui a fait récemment un dossier dans Autoplus sur les promos dans le domaine de l'automobile. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Alors, est-ce que c'est franchement la meilleure filière aujourd'hui pour faire une bonne affaire, les mandataires? Alors, c'est une bonne filière, c'est pas la seule bonne filière. Les concessionnaires réservent encore quelques bonnes surprises, mais les mandataires n'ont pas dit leur dernier mot et ils cachent encore quelques très bonnes affaires dans leur cahier. Vous aviez listé dans ce numéro d'Auto Plus quelques tarifs. Est-ce que on peut faire des comparaisons très précises, comme ça les gens auront une idée de ce qu'on peut obtenir comme réduction? Alors on peut, oui, on a listé dans le numéro d'il y a quelques semaines une vingtaine de cas. Par exemple, on a trouvé des Audi A3 Sportback qui sont des modèles qui ont un grand succès, qui sont pas très largement remisé en concession. En général, on atteint péniblement 8 à 9 %. Là, certains mandataires les proposent jusqu'à moins 25 %. On a également le grand classique, le coup du Renault Scénic, qui est déjà, lui, bien remisé en concession. On atteint assez facilement les 20 %. Certains mandataires les proposent jusqu'à moins 40 %. Ah oui. Donc, on peut dire que, d'une manière générale, les meilleures affaires se font chez les mandataires ou, malgré tout, il y a quelques exceptions, suivant le constructeur ou la concession? Alors, les meilleures affaires ne se font pas forcément chez les mandataires. Les concessionnaires ont réagi. Effectivement, les mandataires, au fil des années, ont grappillé quelques petites parts de marché, ce qui a obligé les réseaux traditionnels à réagir. On trouve maintenant des voitures très très largement remisées chez les concessionnaires, mais c'est vrai que sur certains exemples, les mandataires sont encore loin devant. Alors, sur les véhicules très récents, est-ce qu'on arrive à avoir des prix chez les mandataires? Parce que les concessionnaires, parfois, ne les ont même pas. Alors, les mandataires, j'imagine, ont encore un peu plus de mal à les avoir. Ils sont pas servis en premier. Tout dépend. En fait, les mandataires ont une grande force par rapport aux concessionnaires, c'est qu'ils ne sont pas obligés de se fournir dans le pays dans lequel ils sont situés. Oui. Alors, leur grande chance, c'est qu'un véhicule qui peut avoir un grand succès en France, il peut s'écouler plus difficilement en Pologne, en Italie, en Espagne. Et dans ces cas-là, le mandataire va chercher les voitures donc avec un très bon prix là où elles s'écoulent difficilement et les revend sur notre marché qui est très demandeur. D'accord. Alors, et il y a certaines marques, en revanche, où on a des réductions qui sont faibles, y compris chez les concessionnaires. Je pense à Dacia, on va le citer, qui pratique la politique du juste prix. Donc là, est-ce qu'on arrive quand même à grappiller un petit peu sur des marques comme ça?
Alors, sur l'exemple de Dacia, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, Dacia tape déjà très bas en matière de tarifs. On trouve quelques mandataires qui proposent des Dacia, des Logan, des Sandero, avec des remises qui dépassent rarement les 3-4%. On voit toutefois apparaître depuis quelques semaines des Duster jusqu'à moins 15, moins 16%. Ah oui, donc là, ça commence à être très intéressant. Petite question concernant les véhicules électriques, il y en a de plus en plus, c'est un marché qui croît. Est-ce qu'on trouve des véhicules électriques chez les mandataires? On en trouve quelques-uns, mais c'est pas le fort du marché. Bien évidemment, les mandataires cherchent à faire du volume et ils se concentrent sur les modèles susceptibles de remporter un grand succès. Donc, on trouve quelques voitures électriques, mais les offres sont pas parmi les plus intéressantes. Surtout que les voitures électriques, la plupart du temps, sont pas achetées directement par les propriétaires, mais sont louées sous forme de contrat LOA ou LLD. Ah oui, d'accord. Et en revanche, pour les hybrides, j'imagine que là, il y a plus de choix. Là, il y a plus de choix. On trouve des 3008 hybrides 4 qui sont très largement remisés. On atteint facilement les 25% de remise et plus. On trouve des Toyota Prius, on va trouver des Toyota Auris. Là, le panel des voitures hybrides est complet. Alors, en général, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. On pourrait se dire que les véhicules qui sont plébiscités, qui se vendent bien, ne vont pas avoir de grosses réductions. Oui, c'est ça. Or, on a fait, Jonathan a fait un petit listing. Une Peugeot 208, on arrive à avoir quand même des super prix, Jonathan. Ah oui, carrément. Sur la 208, on arrive jusqu'à moins 26% de remise. Mais bon, il n'y a pas que le 208, un peu sur tous les modèles. Sur la Golf 7, on arrive jusqu'à moins 37%. Et sur le dernier C4 Picasso, jusqu'à 45% de remise. Et malgré le fait que ce sont des véhicules qui ont du succès, donc c'est pas la mévente qui fait qu'on peut avoir de super tarifs. Exactement. C'est une généralité pour tous les véhicules. Comment c'est possible, ça? C'est assez compliqué à dire. Oui, personne ne va nous donner la réponse, en fait. Hein. C'est à peu près ça. On va essayer de la poser au mandataire qu'on aura juste après la coupure info. On va essayer de leur demander comment ils arrivent à avoir ça. Mais malgré tout, on peut imaginer qu'une voiture qui ne rencontre pas véritablement le succès escompté, elle sera encore plus discountée, justement, ou pas? Oui, carrément. Sur certains modèles, comme la Laguna, on arrive de mémoire jusqu'à moins 46% sur certaines versions. Ah oui, la Laguna à moins 46, c'est violent hein, quand même. Hein. Ah oui, mais ça fait déjà un moment qu'on arrive à avoir des tarifs très intéressants sur la Laguna. Bon, ça veut dire déjà que Renault avait une marge qui était un peu plus importante sur la Laguna. Ah ouais, et qu'ils ont été un petit peu optimistes aussi. Ah ouais, certainement, en matière de volume de production, ils avaient peut-être vu un petit peu grand, effectivement. Jonathan, quel est le top 3 des voitures les plus remisées actuellement? Alors, en top 3, top déjà, 5, dans, hein, c'est comme ouais, vous voulez. Dans les premières, on arrive déjà la Renault Clio. Là-dessus, on arrive à moins 30%, par exemple chez Elite Auto, Auto IS et Aramis Auto. Alors que c'est la voiture la plus vendue en France, on est bien d'accord. C'est la voiture la plus vendue en France en 2014. Et par exemple, sur la DCI 90, en finition intense, on est à moins 28% chez les Great Cars, Autoconfiance et Automobile GM. D'accord. Ah oui. Donc la Clio, ensuite? Il y a la Clio, il y a la Golf hein, qui est très bien remisée, le C4 Picasso que je venais de citer. Vous avez cité, oui. Vous avez un comparateur d'ailleurs, parce qu'en fait, chaque mandataire évidemment propose des tarifs, mais est-ce qu'il y a moyen de comparer les tarifs des mandataires? Oui, tout à fait. Bah, justement, on a un site mandataireautoneuve.fr sur lequel on recense 14 mandataires. Où donc ils ont tous leurs véhicules qui sont référencés sur le site, et ce qui permet aux internautes de comparer un véhicule à un mandataire par rapport à un autre en fonction d'un véhicule choisi. Et les voitures premium, les BMW, les Mercedes, etc., on peut faire de bonnes affaires aussi chez les mandataires? Tout à fait. D'accord. Mais avec des réductions tout aussi importantes que pour une Clio ou une Laguna, comme on évoquait tout à l'heure? Alors une remise un peu moins importante, mais on arrive quand même à des tarifs moins 35% sur une série 1, moins 25% sur la nouvelle A3. Donc les remises sont aussi présentes sur les véhicules allemands, mais un peu moins que les modèles français. Est-ce que François peut aller sur le site d'un mandataire pour choisir mon prochain cadeau de Noël, par exemple une Aston Martin? Je dis ça au hasard. Ouais. On vous entend plus. J'aurais pu dire Bentley ou Ferrari. Ah, hein. Jonathan, vous ne l'entendez plus, c'est normal, vous passez sous un tunnel. Je sais ce que c'est. Non, mais il y a certains constructeurs qui pratiquent une politique
uniforme de tarifs en Europe. Je vais citer Porsche. C'est un exemple au hasard. Comment les mandataires, est-ce que les mandataires peuvent d'abord proposer des tarifs sur des véhicules de cette gamme-là? Et si oui, comment ils peuvent faire? Alors là, c'est vrai que sur des véhicules très haut de gamme, c'est assez compliqué pour un mandataire de les avoir. Mais par exemple, sur mandataire auto neuf, on avait un moment un mandataire qui proposait des Porsche à moins 10, moins 20% sur certaines versions. Puis moins 20% sur une Porsche, ça commence à chiffrer un peu. On peut s'acheter une Mini en porte-clés hein, ah ben ça, derrière. C'est sûr. C'est ça. Ouais. Jonathan, Pierre, vous restez avec nous. Bientôt 9h30, on va retrouver la météo et les infos. Et puis on va poursuivre sur les mandataires. N'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions. Et on aura avec nous Guillaume Paoli, qui est directeur associé d'AramisAuto.com. Donc que vous connaissez forcément. Forcément, si vous écoutez RMC, puisqu'il y a de la publicité qui passe en permanence. Et puis, on aura aussi Florian qui est gérant de Carson, un autre mandataire, et qui on posera des questions en particulier sur la garantie. Quelle garantie, quels équipements on peut avoir? Et puis, on leur posera la question fatale. Comment se fournissent-ils et comment arrivent-ils à proposer des tarifs comme ça? Est-ce que les voitures sont complètes? Est-ce qu'il y a un moteur? Exactement. Est-ce qu'il y a les roues? Est-ce qu'il y a un volant? Donc, n'hésitez pas, 3216auto@rmc.fr. Vous voulez évoquer les mandataires, posez vos questions, témoignez. On retrouvera quelques-unes de vos interventions tout à l'heure entre 9h30 et 10h. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Jean-Luc Moreau, attention, attention, attention. C'est justement la question qui tombe à pic. Ouais, question de François S. de Paris. Non, c'est la question de Pascal. Ah ouais. C'est son week-end quand même, hein, Pascal. Bah oui, c'est moi, le je week-end veux dire, Pascal. Franchement. Hein, bonne fête, Pascal, d'ailleurs. Dois-je informer mon assureur de ma suspension de permis? Vous êtes sûr que c'est pas François S. de Paris? Non. Alors, en principe, hein, il est mentionné dans tous les contrats d'assurance que dans les 15 jours qui suivent la connaissance de la survenance de nouvelles circonstances susceptibles d'aggraver les risques. Bah, quand vous en parlez, on dirait un avocat, là. Ou d'en créer de nouveaux. Voilà. Je vous imagine avec la robe, là, c'est magnifique. Bon, normalement, bon, vous devez prévenir si vous avez une suspension. Alors, c'est pas une suspension administrative, là, c'est une suspension pénale. Ça veut dire que vous êtes passé devant le juge, et le juge considère que les 8,80 g que vous aviez d'alcool dans le sang nécessitent une suspension de permis de 2 ans. Donc vous devez en informer votre assureur. Normalement, il est prévu dans les contrats, c'est indiqué dans les contrats, hein, cette obligation d'informer l'assureur. Si ça ne l'est pas fait, vous pouvez peut-être vous en tirer. Si c'est écrit noir sur blanc, ce qui est le cas dans 80% des cas, si vous omettez non intentionnellement, c'est-à-dire que vous ne le saviez pas, vous avez une suspension de permis de conduire, donc qui est prononcée par un juge, je rappelle, vous oubliez de prévenir votre assureur, dans ce cas-là, cette omission peut vous coûter la résiliation du contrat, ou alors, si votre assureur est sympa, la majoration de votre prime. Ah oui. Il est sympa, vous majorez votre prime, il dit bon. Je vous éjecte pas, mais plus 100%, et on reste un petit peu plus, c'est bon. Voilà. Alors, en cas d'omission volontaire, c'est-à-dire que là, vous saviez que vous deviez informer votre assureur et vous ne le faites pas, ben, il pourra demander la nullité du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu un accident, c'est vous qui allez payer. Ouh là là. C'est dédouanera totalement. Est complètement responsable. RMC, c'est au 32-16, 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, c'est le week-end des experts sur RMC, 9h35 jusqu'à 10h, l'auto et un spécial mandataire avec nos invités, Jonathan Luc, qui représente le site mandataireauto.com. Nous avons aussi Pierre Audemars, Guillaume Paoli, qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis, vos témoignages, vos questions au 3216. Ils sont nombreux, hein, ces témoignages. Et Jean-Luc, je vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Alors, vous avez acheté Nicolas. Une Renault Mégane coupée Bose. C'est ça, exactement. Il y a 2 ans de ça, je cherchais un petit peu pour trouver un prix assez attractif. Je n'étais pas vraiment parti sur un modèle précis.
Et puis mon oncle avait fait l'expérience pour acheter un Peugeot RCZ quelques années avant. Donc il y a 2 ans de ça, j'ai contacté le même site. Étant de Marseille, je suis allé chercher la voiture à Lille. Donc chose agréable, le voyage était remboursé par le mandataire. Ah, ouais, bravo, ouais, ouais. Sans aucun problème, il a fallu juste que je donne mon billet de train ou si ça avait été l'avion éventuellement. Et après, ben j'ai fait le rodage, on va dire, sur la route pour faire Lille-Marseille. Ben c'est pas mal. Aucune déception, Nicolas, tout s'est bien passé. Ouais, parlez-nous du prix, surtout, Nicolas, absolument. Parce qu'elle valait combien cette voiture et vous l'avez payée combien? Alors, donc sur le catalogue Renault, elle est environ à 29 000 euros. Oui. Et je l'ai payée moins de 18 500. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est entre 18 000 et 18 500 euros. Enfin, là, c'était le catalogue, donc sans remise, parce que j'imagine que vous êtes allé chez Renault, ils vous faisaient une remise. J'y suis pas alors. Ah, vous n'êtes même pas allé les voir? Non, chose amusante, je suis quand même allé pour voir quand même à quoi ressemblait la voiture. Parce que, et il y en avait une d'occasion. Donc je l'avais quand même commandé, il y en avait une d'occasion avec quelques kilomètres. Je crois que c'était entre 10 000 et 15 000 kilomètres qui était à 24 000 euros. Ah, donc elle était plus chère que la voiture neuve que vous avez achetée à 18 500. Ah ouais, ça pose un problème quand même. Ouais. Nicolas, dites-moi, est-ce que vous avez eu des soucis derrière pour l'entretien de votre véhicule? C'est une question qu'on posera au mandataire, mais c'est vrai que les concessionnaires, quand ils voient arriver une voiture qui vient de chez un mandataire, ou plutôt qui vient pas de chez eux, en général, ils se font un peu tirer l'oreille pour faire l'entretien. Ça a été le cas ou pas? Non, j'ai mené pour la première révision chez Renault, donc il y a un an de ça, et je n'ai eu absolument aucun problème. Voilà, on vous a pas regardé bizarrement, absolument, etc. Rien du tout. La voiture, si je dis pas de bêtises, venait de Belgique, puisqu'il y avait un extincteur à l'intérieur. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Une fois, alors, il y avait un extincteur à l'intérieur. Et c'est ce que m'avait dit le mandataire, mais je n'ai eu aucun problème sur la voiture, et ce qu'il y avait au dossier agréable, vous étiez sur le site, sur ce site qui venait de Lille, chez ce mandataire lillois, et j'ai dû payer 500 euros d'avance. Donc c'est vrai qu'il y avait d'autres mandataires demandaient un peu plus d'argent. Là, je me suis dit, bon, il y avait mon oncle qui avait une expérience avec un Peugeot RCZ déjà, qui s'était bien passé, je me suis dit, au pire, si ça se passe mal, je n'y suis que de 500 euros. Ouais, c'est clair. Nicolas, vous avez pu choisir la couleur, les options, tout ce que vous vouliez, ou alors le véhicule était déjà sur parc? Alors non, le véhicule n'était pas sur parc, il était en arrivage, et c'était une promotion, donc c'était moi j'ai choisi la mécanique. Oui, c'était série Bose, donc d'accord. Voilà, je n'ai pu choisir que la couleur. D'accord. Mais c'est quand même génial, parce que vous vous retrouvez avec une voiture, bon, assez sympa, bien équipée j'imagine. Oui, totalement, oui. Série limitée Bose avec un super son. Ouais, j'imagine, voilà. Même Jean-Luc a une belle voix dans ce véhicule, hein. Nicolas, quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez la ça c'est terrible. C'est quand même une prouesse. Ouais. Je suis chez moi pour écouter la suite. Je vais descendre dans la voiture. Attendez, non mais troisième sous-sol. Souvent on est mieux dans sa voiture pour écouter la musique qu'à la maison, hein. Ah, ça dépend ce que vous avez à la maison comme installation audio, mais c'est vrai qu'il y a des véhicules. On parlait il y a pas longtemps là du nouveau Volvo XC90. Je vous assure qu'à l'intérieur, voilà, c'est réellement une salle de concert. Hein. Il y a 1400 watts d'amplification et même la carrosserie sert de caisse de résonance pour les basses. C'est absolument incroyable. Eh bien merci Nicolas. Ben voilà, une expérience heureuse de mandataire. En tout cas, si vous, tout comme Nicolas, vous avez été content, ou si Vous n'êtes pas content, ça s'est pas bien passé, dites-le nous, expliquez-nous. Expliquez-nous comment. Voilà, 32 16 on a Guillaume Paoli avec nous, qui est directeur associé d'AramisAuto.com. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour. Alors depuis tout à l'heure, on entend des moins 20, moins 30, moins 40, moins 45%. Comment vous faites? Alors comment on fait? Il n'y a pas vraiment de mystère en fait. L'industrie automobile, il y a des usines qui produisent des voitures et elles sont ensuite distribuées dans différents pays. Il y a toujours un maillon de la chaîne entre les 30 marques et les 30 pays à peu près qui composent l'Union européenne où il y a des voitures qui sont en surnombre. Et notre métier, c'est de les identifier, de les acheter en lot ou d'aider les concessionnaires à faire leurs objectifs, évidemment en payant des tarifs remisés, et ensuite de les ramener en France et de les proposer à nos clients avec un modèle économique, on va dire, à coût bas. Et vous arrivez, parce que vous avez quand même le transport en supplément, et vous arrivez malgré ça à avoir des tarifs qui sont plus bas que ce que vont acheter les concessionnaires en France parfois. C'est ça qui est complètement incroyable. Ça peut arriver. Alors en fait, c'est assez complexe parce que les concessionnaires n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a souvent des aides à la reprise. Donc chaque opération est un petit peu différente. Sinon, on ferait toutes les ventes du marché, ce qui n'est pas du tout le cas.
Mais oui, on arrive à... Mais quand vous achetez plusieurs dizaines de voitures, ou vous engagez sur plusieurs dizaines de voitures, voire plusieurs centaines, et que vous les ramenez en France, d'ailleurs certaines sont... On travaille aussi avec des concessionnaires français. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez du déstockage français aussi, j'imagine. Exactement. Dans ce que vous proposez. Donc ça, c'est sur la partie vraiment voiture neuve. On est en mesure de proposer des tarifs intéressants. Alors, évidemment, ça dépend. On a des tarifs plus intéressants sur les voitures qui sont au milieu de vie ou en fin de vie que sur les voitures qui viennent juste d'être lancées. C'est la loi de l'offre et la demande. Est-ce qu'il reste malgré tout au concessionnaire le privilège d'avoir les derniers modèles, les dernières voitures qui viennent de sortir avec les dernières options, ou est-ce que vous aussi vous pouvez répondre aux exigences de certains consommateurs qui veulent ces voitures-là? C'est très très variable. C'est très très variable. Parfois on arrive à les avoir pratiquement tout de suite. Quand c'est le cas, c'est qu'en général, il y a eu dans la chaîne on s'est un peu enflammé sur les objectifs. Quand c'est sur un modèle très très récent, et parfois il faut attendre 1-2 ans pour qu'on puisse avoir les voitures. Exemple de la Fiat, oui. La Fiat 500 par exemple, au début on n'en avait pas du tout. Oui, parce que en fait les réseaux Fiat n'arrivaient pas à fournir, donc forcément vous êtes au bout de la chaîne, donc vous n'en aviez pas, c'est ça? On en avait très peu au début ou pas du tout, et puis au fur et à mesure c'est arrivé, et maintenant on en a à la vente. Est-ce que vous pouvez garantir les délais quand on vous commande un véhicule? Alors oui, on peut garantir les délais. Après, je peux pas. Effectivement, si je vous réclame aujourd'hui un BMW X3 qui est en reliquat à 4 mois ou 6 mois chez BMW, j'imagine que vous n'allez pas pouvoir me le proposer avant. Oui, disons que nous, on est un amitié logistique, donc on livre la grande majorité de nos clients à l'heure. Ça peut arriver. On est un petit peu de retard, et dans ce cas on informe le client. Il y a différents cas. Quand c'est un véhicule qui est déjà chez un partenaire, ça va relativement vite. Quand c'est sur un véhicule en commande d'usine, on a peu ou prou les mêmes délais qu'un concessionnaire traditionnel, avec peut-être une semaine de plus de délai. Guillaume, comment réagissent les concessionnaires qui évidemment se sentent quand même un peu en concurrence avec vous, ce qui est tout à fait logique? Est-ce que malgré tout ils répondent parfois à ce ping-pong de baisse de prix et de remise? Est-ce que parfois les concessionnaires arrivent à s'aligner à vos tarifs? Alors oui, ça dépend des moments. Quand il y a des aides à la reprise, par exemple, très importantes de la part du constructeur, ça peut arriver qu'ils soient aussi bien placés que nous. Il y a différents types de clientèle aussi. Il y a des clients qui veulent vraiment choisir chaque option, chaque élément. Nous, on n'a pas forcément tout le choix des concessionnaires. Nous, on a plutôt des bonnes relations avec les concessionnaires. Pourquoi? Déjà parce que eux gagnent surtout de l'argent en après-vente plutôt que sur la vente de voitures neuves, oui. Premièrement. Mmh. Et deuxièmement, il faut relativiser les ventes qui sont faites par les mandataires. Il n'y a pas de chiffre officiel. Votre intervenant tout à l'heure le disait, mais on estime que c'est à peu près 5-6% des ventes de voitures neuves à particulier en France. Donc ça représente quelque chose, mais enfin, c'est pas non plus... Mais ça dépend combien il y a de mandataires. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de mandataires en France? Oui, mais alors le mandataire, ça va de des entreprises comme la nôtre avec 350 collaborateurs et 23 points de vente à quelqu'un qui est tout seul dans son bureau avec son téléphone. Il y en a quelques centaines. Mais les volumes que ça représente, il y a à peu près 900 000 voitures vendues à clients particuliers en France par an. Ça représente 30-40 000 voitures maximum. Guillaume, vous restez avec nous. On va accueillir Cédric dans un instant. Cédric, il se pose la question. Je pense qu'il a envie de s'offrir une voiture via un mandataire, mais il se dit, tiens, si j'achète une voiture à l'étranger, est-ce que je vais me retrouver, un, avec les mêmes options qu'en France, et deux, est-ce que, par exemple, mon GPS va pas parler allemand? Ah oui, une voiture qui vient de République tchèque. Voilà, et c'est pas facile. Voilà, vous allez peut-être pouvoir lui répondre dans un instant. Cédric avec nous au 3216, vous avez des questions, des témoignages concernant les mandataires. Ça s'est mal passé, ça serait pas mal d'avoir un témoignage d'un auditeur qui a eu justement des problèmes avec un mandataire, ça doit sans doute arriver. Justement, quel type de problème on peut rencontrer, par exemple des délais qui sont pas respectés ou des choses comme ça, ou des peut-être aussi qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas les bonnes. Ou un SAV chez un concessionnaire qui a été un peu houleux. Qui se fait tirer un peu l'oreille. Voilà, racontez-nous, dites-nous, 3216, auto@rmc.fr, et laissez-nous surtout votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Voilà, 9h48, c'était RMC, le week-end des experts, l'automobile, on parle des mandataires. Notez que pour être équilibré dans ce, enfin, dans ce rendez-vous spécial mandataire, on voulait avoir des concessionnaires et des constructeurs, Jean-Luc, que vous avez essayé de joindre. A priori, ils n'ont pas d'avis sur le sujet. Voilà, les constructeurs ont un peu de difficulté à s'exprimer pour la simple et bonne raison, ils vendent aussi aux mandataires. Ils sont bien contents de découler des stocks, exactement. Mais d'un côté, ils en disent du bien, ils vont se mettre à dos des concessions. Et certains concessionnaires profitent aussi du réseau des mandataires pour écouler effectivement des véhicules qui sont sur parc et qui leur coûtent de l'argent. Voilà. Donc ça leur permet de déstocker sans être montré du doigt par leurs confrères. Donc il y a un peu un double jeu quand même. C'est ce qu'on disait Guillaume Paoli, hein. C'est rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir là dans cette histoire. Et tout est gris. Voilà. Gris métal, forcément. Bon, hein. On avait la question de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Et bonjour à tous, bonjour Jean-Luc, bonjour François. Oui, donc moi, j'ai acheté un SQ5 il y a un an, donc en premier lieu, je m'étais un petit peu renseigné auprès des mandataires. Oui. Et bon, j'ai pas trouvé les options que je voulais, je me suis un petit peu renseigné auprès des amis, tout ça, on m'a dit oui, méfie-toi, sans vraiment d'expérience de tout ça, on m'a dit méfie-toi, tu peux avoir des inscriptions tableau de bord dans la langue du pays, ton GPS est en allemand, si le mandataire va la chercher en Allemagne, etc., etc. Le volant à droite, si vous l'achetez en Angleterre, enfin c'est un cauchemar tout ça. Bon Guillaume, qu'est-ce qui se passe si j'achète une voiture, je sais pas moi, allemande, République tchèque. Mon GPS va me parler en allemand ? Non, on vous donne un dictionnaire franco-tchèque. Non, mais plus sérieusement, c'est une manipulation de rien du tout de changer la langue du tableau de bord. Exactement. Et la cartographie du pays, j'imagine que vous pouvez la fournir également. Parce que très bien avoir un GPS avec la cartographie, effectivement, de la République tchèque qui va nous intéresser un petit peu moins si on habite en Normandie. Mais vous pouvez mettre la cartographie française. Ça, c'est quelque chose d'être capable de faire vous. Bien sûr, toutes les Renault qu'on propose, on fournit une carte SD. Quand ils viennent de l'étranger, on fournit une carte SD de France, quoi, pour que les gens puissent l'utiliser. Et le mode d'emploi, Guillaume ? Alors le mode d'emploi, on le fournit en français. C'est pas toujours un exemplaire original, c'est souvent une copie, mais de qualité qu'on fait en couleur, afin que les gens puissent lire le mode d'emploi. Et ça peut arriver qu'on laisse le mode d'emploi dans la langue d'origine du pays. C'est une langue qui est un petit peu pratiquée, mais enfin en général, systématiquement, on le fournit en français. D'accord. Jean-Luc, nous avons Florian Tchek avec nous, qui est gérant de Carson, qui est aussi un autre mandataire. Bonjour Florian. Oui. Oui, bonjour messieurs. Alors on parlait de Tchek, mais on parlait pas de vous. Hein. Non, dites-nous, est-ce que les véhicules que vous vendez ont des options qui correspondent à celles du marché français? Parce qu'on a une auditrice, c'est ça, qui a acheté un véhicule qui provenait d'Espagne. Alors en fait, on va peut-être lire son témoignage. Elle nous dit qu'elle a acheté une Polo espagnole qui n'existait pas en France et elle s'est retrouvée embêtée à la revente parce que ce véhicule n'existait pas en fait. Ce modèle n'existait pas en France et donc elle a un peu de mal à trouver la valeur Argus, à la valoriser. Ouais. Est-ce que ça peut arriver ce genre de situation? Alors, il peut y avoir des différences de paquets d'équipements entre les différents pays avec des options en plus et en moins. Ce qui est important, c'est que nous, on essaie toujours de dire au client final quelle est sa finition française et de lui expliciter les options qu'il aura en plus. Et comme ça, à la revente, il pourra, à son acheteur final, les expliquer. Et si vraiment il y a une option en moins, on est transparent là-dessus. Et bon, ça c'est un choix qu'il faut faire par rapport à la remise à laquelle on accède. D'accord. Autre question, la garantie, parce que il arrive qu'en Europe il y ait des garanties différentes pour le même véhicule dans certains pays. Oui. Des véhicules qui sont garantis par exemple 3 ans dans certains, 5 ans et 2 ans dans d'autres. Quelle garantie s'applique si par exemple le véhicule vient d'un pays où la garantie est plus faible qu'en France? Je prends un exemple, une voiture garantie 3 ans en France et là elle provient d'un autre pays d'Europe où la garantie n'est que 2 ans. C'est la garantie de 2 ans qui s'applique ou la garantie de 3 ans? Alors, les garanties sont... Enfin, là, ça fait bientôt 20 ans que la Commission... Ça s'uniformise, c'est 2 ans minimum, mais on peut... Il y a des réseaux commerciaux dans certains pays qui offrent une garantie supplémentaire. Alors, elle est valable. Toutes les garanties de base ou même commerciales au-delà de la durée sont obligatoirement, depuis une vingtaine d'années, valables dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, au même titre qu'un Français va partir en vacances en Espagne, sa garantie française sera valable. L'inverse est vrai aussi. D'accord.
Donc pas de souci de ce côté-là. Et voilà, et donc le garagiste acceptera la voiture sans rechigner. Voilà, il sera obligé en fait de s'en occuper, c'est ça ? Il sera obligé et comme le disait Guillaume Paoli, c'est quand même aussi là-dessus qu'il gagne d'argent. Leur argent aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, enfin, mais quand la voiture est sous garantie, il gagne pas beaucoup d'argent. Alors, ils en gagnent quand même, et en effet. Oui, ils en gagnent un peu moins. Oui, mais ils en gagnent un peu moins, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes coûts horaires. Ils ne sont pas remboursés au même prix par le constructeur que ce que vous payez, vous, quand vous allez faire votre entretien. Une question, vous proposez une garantie satisfait ou remboursée, c'est quoi ? Parce que ça n'existe pas chez les concessionnaires, c'est quoi ? Alors, les plus grands acteurs commencent à le... Je pense qu'Aramis a été un des premiers. Le premier, donc c'est une garantie qui permet de rendre le véhicule après 14 jours ou 1000 km généralement. Bon, c'est surtout un outil pour rassurer le client qui a peut-être pas l'habitude d'acheter chez un mandataire et qui va se dire. C'est-à-dire, en gros, je commande un véhicule, je me rends compte que c'est pas du tout ce qu'il me fallait, je me suis trompé, je vous rends la voiture et on reste bon copain. Voilà. Donc c'est voilà, ça permet de bon. Non, parce que ça existe. Pas tout à fait. Ça existe pas. Ça existe pas chez le concessionnaire. Chez le concessionnaire. Si vous revenez une fois que vous êtes sorti de chez le concessionnaire, 20%. Ouais, il vous reprend la voiture, mais effectivement moins 20%. Merci à tous les deux. Merci à Florian Tchèque et à Guillaume Paoli. Sujet intéressant, en tout oui, cas. Oui, on pourra en reparler. On pourra reparler des reprises, des financements. On pourra parler des voitures d'occasion. Parce que de plus en plus, les mandataires sont en train. Parce que bien sûr. Ce qui se passe en Europe, c'est que, je disais tout à l'heure, il commence à y avoir une uniformisation des prix et il y aura peut-être une uniformisation de la TVA. Ouais. Donc ce jour-là, ça servira plus à rien d'aller acheter un véhicule à l'étranger. Donc une partie du business des mandataires va disparaître. Donc ils sont petit en petit en train de mettre en place, un boulot sur les véhicules d'occasion et ça va devenir. On en reparlera, Jean-Luc, je pense. Parce que là, il leur tourne, bientôt 10h. On va retrouver la météo, les infos et juste après, ce seront les GG de sport qui sont déjà là. Christophe Cessieux et Serge Chimon, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs. Bon. Alors, les mandataires. Oui, c'est ça, hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal quand même d'avoir moins 30, moins 40% de réduction sur des voitures. Je savais même pas que ça existait encore. Alors, je vais vous donner mon expérience. J'ai essayé. C'était exactement les mêmes prix qu'avec un concessionnaire. Donc finalement, je me suis rabattu sur un concessionnaire. Mais j'ai peut-être pas trouvé le bon mandataire. Arrête, tu dis le contraire de tout ce qu'il vient de dire pendant une heure. Non, non, non. Bon, attendez, les amis, là, en revanche, ce soir, ça va pas rigoler. Ah, ouais, PSG, là, ça va être chaud bouillant. Classico, déjà dans RMC, on sent l'ambiance. On sent l'ambiance. Le réalisateur. Entre Aurélie et Jérôme, là, c'est chaud, hein. Tendu. Jérôme Légim, Aurélie, la PSG, c'est bouillant. Ouais, c'est très tendu et va continuer à l'être tout au long de la journée avec évidemment donc ce grand choc ce soir à 21h. On va en parler dans un instant avec Jean-Michel Larquet. Et puis après, nous parlerons d'autres sujets, notamment de natation avec les championnats de France et de Florent Manoudou qui se cache pour mieux surgir pendant les Jeux Olympiques, ou encore d'un personnage haut en couleur qui se nomme Oleg Tinkov et qui est un fou dangereux ou alors un génie. C'est selon, mais vous savez, on est souvent très proche l'un de l'autre. Les GG du sport dans un instant avec Christophe et Serge. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Portez-vous bien et bon dimanche et bon week-end de Pâques.